J'étais athlète de haut niveau auparavant, j'ai fait des championnats du monde, espoir, amateur et professionnel. Et puis fin 2007, j'ai décidé de stopper ma carrière professionnelle pour pouvoir me lancer dans d'autres défis en fait. C'est difficile. Vraiment, c'est une épreuve difficile. Et de manière très humble, je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Je n'imaginais pas que c'était aussi difficile. Il y a l'épreuve physique, mais après, il y a la gestion mentale. Et il y a tous les à côté. Et les à côté, ils sont monstrueux, ils sont irracontables. Parce que sur une semaine, il t'arrive des tas de problèmes. Tous les jours, il m'est arrivé des problèmes. Et des problèmes qui peuvent être d'importance. J'ai crevé 3 fois, j'ai cassé ma lumière, j'ai cassé mon porte-bidon, je me suis trompé de route, j'ai raté ma base de vie, donc j'ai fait une nuit dehors à rouler sous une pluie battante. J'ai eu un orage de grêle à Liseran. J'ai oublié ma sacoche avec mes papiers, ma carte bleue, tout ça dans une boulangerie, j'ai dû faire demi-tour. Ce ne sont qu'une suite de problèmes et je crois que les plus forts sont ceux qui trouvent des solutions à tous ces problèmes. Mais imaginez que la Race Across France, c'est une épreuve ultra longue distance et uniquement ça, c'est une erreur et c'est ce qui conduit sans doute à l'abandon de beaucoup de coureurs. C'est hors du temps. La Race Across France, c'est une épreuve hors du temps. C'est décalé, c'est un autre sport, c'est décalé. Mon vélo, il fait 16 kilos. On a une sacoche, on se douche pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment quand même. Hier, 533 km, la veille, 468, sans douche. Ça fait 1000 bornes sans douche quand même, quoi. Pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres, on est seul, donc on a le temps aussi de réfléchir, on a le temps de se poser, de se calmer. Et on se rend compte aussi, à travers ces épreuves-là, à quel point nos vies sont speed en fait. On est dans le bruit, on est dans le parler fort, on est dans agiter les bras, on est dans crier. Et en fait, on peut vivre calmement. Je sors riche de ça et maintenant il faut entretenir ça. Faut entretenir. Et entretenir, c'est peut-être d'y retourner en 2021 parce que ça c'est. Je crois que la plus grosse bêtise qu'on puisse faire, hein, c'est d'y participer. Parce qu'une fois qu'on y a participé, revenir après à un autre format de course et dire je n'y reviendrai pas, je pense que c'est compliqué.